Bonsoir et bienvenue dans ce quatrième stream de notre Let's Play Remote Alpha 13 de Cafar West. Cafar West 2.0, quatrième stream du 2.0. Hein. Nous nous souvenons d'un certain échec monumental, mais cette fois-ci tout se passe bien. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes possible. Notre colonie se développe bien, on a actuellement 5, 9 personnes, plus un prisonnier. On commence à développer une industrie, on taille de la pierre, on fait des murs en pierre. On a commencé à faire fondre des steel slag, je crois que oui. Oui, on a commencé à le faire. C'est vrai qu'on manque un petit peu de compo. Enfin, on manque pas trop d'acier. Si on manque d'acier, est-ce qu'on manque d'acier? Oui, on manque d'acier. Et est-ce qu'on manque de compos? J'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup non plus. 2, 1, ouais, non, c'est un peu short. On était en train de développer notre production d'électricité, c'est pour ça. On chasse le païen, c'est vrai qu'on chasse pas mal le païen. Mais là, là, pour le coup, il n'y a pas de païen en vue. Il n'y a que des visiteurs qui se sont tapés dessus. Et c'est même pas notre faute. C'est même pas notre faute. Non, par contre, on manque de bouffe! Et du coup, on a relancé le programme de chasse. Donc aujourd'hui, on va chasser. On va se refaire des stocks de bouffe. Au moins tenir le temps de faire notre récolte de patates. Et puis après, on va essayer de développer un petit peu plus notre colonie. C'est parti! On a Mavericks qui ramène un dromadaire. On a Famine qui nettoie du sang. Et bonsoir Yoshi, bienvenue sur le stream. T'en fais pas, t'as rien manqué, on vient tout juste de démarrer. Baptiste qui mange, Swamiga qui recherche. J'entends des tirs. On a quelqu'un qui chasse? Ah, on a Adrien qui chasse du dromadaire. Il y a Drigouane qu'on pourrait massacrer aussi. On évite les raids. Oh, bah. Disons que dans l'immédiat, ouais, je préférais éviter un raid, mais après, je pense qu'on y survivrait. Infestation! Oh putain! Alors. Donc, ça, c'est nouveau, je n'ai encore jamais connu. Donc, on a une ruche d'insectes qui est apparue et qui va régulièrement créer de nouveaux insectes et produire de nouvelles ruches. Si on veut pas que ça infeste l'ensemble de la carte, on va devoir rassembler nos forces et détruire la ruche. Mais les insectes vont défendre leur ruche. Super. Et vu que vous êtes là à dire adieu 2.0, on va se faire violer, ça commence bien. Je pense qu'on va prendre cher. Alors, elle est où cette ruche? Oh putain, elle est dans le tombeau! Cette blague! Cette blague incroyable! Le tombeau, ce qui était censé être le tombeau de nos colons défunts, va pour le coup devenir notre tombeau parce qu'on va y envoyer tous les vivants pour essayer de péter ces ruches. Non mais sérieusement. L'infestation ne se produit que sous la montagne. Bah oui, bah forcément. D'accord, donc là on a des hives, là on a de la jelly d'insectes. Ouais, je pense pas qu'on puisse faire un élevage d'insectes, hein, je pense que c'est trop dangereux. Non, bah le mieux c'est qu'on fasse une ligne de défense ici. C'est qu'on fasse une ligne de défense ici et qu'on les alerte. Aux snipers comme les mécanoïdes, bah ça risque d'être chaud là. Ça risque d'être chaud patate. Ça se mange la jelly d'insectes, je pense que ça. Ouais. Le feu! Ah, c'est pas con! C'est pas con! Est-ce qu'on a un truc incendiaire? Je crois qu'on l'a vendu. Est-ce qu'il nous reste des grenades? Oh merde! Oh merde! On n'a plus de trucs incendiaires, on n'a plus de grenades. Pour le coup, ça aurait été une très bonne idée de foutre le feu à la montagne et de les bloquer à la sortie. Est-ce qu'on pourrait pas flinguer? Non.
Flinguer les insectes avec un... Les cramer. Mettre un mur et un... Comment ça s'appelle? Un radiateur. Pas un radiateur. Si, si un radiateur, tant qu'à faire. Est-ce que... Oh, je viens de le vendre. Oh, la vache. Allez! Hop là! Une baffe pour les cafards. Non mais sérieux, on va galérer. On va galérer, mais on va y arriver. Je sais pas comment. On va faire des... Ah bah non, on n'a pas d'acier. Les rêves de Rimworld font passer les cafards pour des mormons côté reproduction. Ouh, ouais, en même temps, reproduit en 2 jours. Donc ça veut dire que dans 2 jours, on aura 6 hives. Putain. Bah on n'a pas le choix de toute façon. Hein. Faut prendre les devants. On va rassembler tout le monde. Assignation. Non, restriction. Tout le monde à l'intérieur. Je pense qu'il vaut mieux attaquer maintenant. Oh putain. Mais ils sont gros! Oh mon dieu! Méga scarab. Spélopède. Et méga spider. Alors, j'attirerai votre attention sur le fait que l'araignée n'est pas un insecte. Dégage, bridou! OMG! Putain, on offre la catastrophe. Zone. On va réduire la zone intérieure. Ça ne fait plus partie de la zone intérieure. Merci. Vous êtes prié de ne pas faire de conneries. Les insectes peuvent péter les murs des montagnes, sauf les murs que tu construis. D'accord, donc là normalement... Ah bah non, ça c'est un trou là. Donc ils peuvent creuser par là. Et bonsoir, Fouine Roqueuse. Est-ce que j'ai vu Starship Troopers? Oui. J'ai vu Starship Troopers. Il semble que j'ai manqué un truc. Bah écoute, ça vient d'arriver là. Ça vient de nous tomber sur le coin de la gueule. On n'a pas encore eu le temps d'y réagir. On va juste laisser Adrien ramener le... Il creuse aussi tes murs. Ah, merci la place. Randy a appuyé sur le quatrième bouton. Ah, t'avais dit qu'il y en avait que trois, faudra savoir. C'est quoi ça? Là, c'est notre chien. Tout le monde est bien à l'intérieur, ouais. Ah, non. Mavericks, qu'est-ce que tu fous, là? Non, mais non, mais non, mais reviens pas les mains vides. Hey! Nouvelle recrue! Yay! Hey, flingue-moi ça. Forbidden, merde. C'est Forbidden. C'est Mavericks. Hop. Unrestricted, tu me ramènes ça. Il creuse aussi tes colons. Ouais. Ça, je m'en doute. Bon, on a une nouvelle recrue. Saluez donc tous. Rapace. Rapace qui rejoint la colonie. Bonsoir, Rapace, et bienvenue au Cafard West. Tu vas voir, on s'éclate comme des petits fous. Presque. Quand on se fait pas envahir par des insectes. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Tu vas tirer. Tu vas t'occuper des animaux. Oh mais t'es une merde. T'es lent. Tu te déplaces lentement. Il y a plein de choses que t'es pas capable de faire. Pourquoi on t'a recruté déjà? Parce qu'on a besoin de tout le monde, c'est vrai. En plus, il te manque une oreille et... Oh non mais t'as chopé là. Le type, on vient de le récupérer, on vient de le recruter, il manque une jambe, une oreille, et en plus, il a chopé la grippe. Eh ben écoute, tu vas te reposer. On va te mettre les mêmes restrictions que les autres, le même planning que les autres. Et au niveau du boulot, je sais pas ce qu'on va pouvoir te faire faire. Et bonsoir, Nosigok, bienvenue sur le stream. Bienvenue en enfer, rapace. C'est vrai que c'est un peu ça pour le coup. Tu sais pas faire grand chose, tu vas pouvoir chasser, on va te filer une arme. Ça sera déjà ça, hop, hop, hop. Et à part ça... La popote. La popote.
Ouais, la popote, ça permettra à Erwan de faire autre chose. Erwan pourra se mettre à crafter. Ce sera peut-être plus utile. Erwan, tu vas passer cuisine en deux. Voilà. Ça me semble pas mal. Dresseur d'insectes pour Europa, je vois que ça. Eh, c'est pas con! Est-ce qu'on pourrait pas les... Non, vous croyez qu'on pourrait pas les apprivoiser, ces bidules? Ah non. Non, on n'a pas le bouton pour les apprivoiser. Ils doivent être considérés comme appartenant déjà à une faction. Pas être des animaux errants. C'est bien dommage parce que je vous avoue que là, je me suis vu apprivoiser toutes ces bestioles et m'en faire une armée. Manque de bol, ça ne sera pas possible. Bon. Allez, une arme pour Eurapas. Qu'est-ce qu'on va te filer comme arme? T'es tireur, c'est ça? Ouais, vite fait. Hein. On va te filer un fusil. On va vérifier que tous les autres ont bien une arme. Oh non. Bridou, t'as pas d'arme, mais t'es capable de te battre? Oui, t'es capable de te battre. Pourtant, t'as pas d'arme. T'as 10 en shooting. Donc c'est toi qui vas prendre le fusil. Merde, rapace. Rapace, tu vas prendre le pistolet. Pistolet. La colonie esclave des insectes. Mais honnêtement, Mister Tofu, s'il y avait moyen, genre, de donner de la bouffe aux insectes pour qu'ils nous bouffent pas, je le ferais, hein. Je ferais carrément une partie RP comme ça, sans souci. Où on donne à bouffer à notre ruche d'insectes, ce serait vachement bien. Pas forcément. Shield user has range weapon. Bah, vire ton shield. Qu'est-ce que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Balance ton shield. Hop. Drop. Drop the shield. On a un colon qui fait rien. Rien à foutre. Faut que quelqu'un ait soigné le rapace. Docteur Loki, au travail. Ouais, si on pouvait juste coexister, je le ferais, honnêtement. Ça pourrait être très sympa, mais là, ça a l'air mal barré. Est-ce qu'on a de l'énergie? Non, en plus, il fait nuit. Tu donnes les colons malades et ils les bouffent. La reproduction des insectes est dans un jour seulement. Un jour, 20 heures, ouais. On a un peu de temps. Le problème, c'est qu'on est en manque d'acier, donc on n'est pas prêt à se faire des. C'est pas ça. On n'est pas prêt à se faire des tourelles. C'est ça qui est très con. Allez, tout le monde, on y va. Non, on va. Non, on va faire ça demain. On va faire ça au matin. Intérieur pour tout le monde. Mavericks, dégage. Un coup de molotov et c'est réglé. Le problème, c'est qu'on a rien d'explosif, on a rien d'incendiaire. C'est vraiment la merde. Ça m'apprendra à les vendre, tous ces trucs. Et j'avais jamais imaginé que ça pourrait nous arriver, ça. Du coup. On va attendre le matin pour avoir les. Les panneaux solaires qui fonctionnent et être capable d'activer nos tourelles. On va se mettre en ligne là, on va essayer de les étirer, tirer depuis l'entrée. Si jamais ils sortent, on se replie au niveau des tourelles. On laissera les tourelles tanker et on les butera. Non mais Guardian, le problème c'est pas le matin, c'est le jour. Il faut qu'on fasse ça pendant la journée. Alors, on va couper les lumières. On rallumera les lumières plus tard. Allez, il fait jour. Hein. Il fait jour. Alors, on allume les tourelles et on rassemble tout le monde. On est parti, en route!
Le chien, il va rester bien derrière. Donc, les cacs devant. Les tireurs derrière. Sniper derrière. Hop. Oh putain, commence pas à lancer l'aggro tant que tout le monde n'est pas en position là. On est combien là? Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Rapace. Oh merde, Rapace, on lui a pas mis le. Non, Rapace, tu dégages. Tu dégages, on t'a pas mis de jambes de bois, tu vas être trop lent. Allez, allez. Ah, ça a produit de la jelly. Allez. Allez, allez. Ça réagit même pas, on les a touchés, non? Hop, touché. On dirait qu'ils en ont rien à foutre. Ouais, je vais prendre des risques. Allez-y, flinguez-moi ça. Voilà, là, il y a du tir. Ah, je crois que ça vient vers nous, ça. Ouais, il va attaquer Erwan. Non, c'est bon. Un de moins. On pourrait en garder une pour la Jerry. Je pense qu'on va pas prendre de risque. Attention, ça arrive au cac. Oh, bien. Juste avant. Aïe! Baptiste, va te faire soigner. Non, c'est bon, c'est pas grave. Tu vas tenir. Par contre, tu vas te mettre un peu plus derrière, je préfère. Hop, hop. Allez, allez, chopez-moi ça. Bon, écoutez, pour l'instant, ça marche pas trop mal. On est en train de les éliminer petit à petit. On va attendre de bien diminuer la population là. Voilà. Ça fera de la bouffe au moins, mais carrément. Allez, il reste encore deux bestioles. Trois. Ah, il y a un méga scarab qui vient de sortir. Chope-le. Oh, Famine, t'as perdu ton bouclier, dégage. Loki, tu remplaces. Il nous reste deux bébêtes. Allez. Bon bah allez. Ah ah, il vient, il vient. Et c'est plié tout le monde, on y va. Fort Pierre, reviens-toi. Allez, 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 on attaque la hive là. Allez, pétez-moi cette hive, les cacs d'un côté, les distances de l'autre. Hop là, allez. Allez, allez. Fort Pierre. Allez, défoncez-moi ce truc. J'en ai rien à foutre de votre humeur. Défoncez-moi ces hives. Allez, suivant. Heureusement que les cacs sont efficaces, hein. Voilà, bien. Et c'est... Allez, 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 et c'est le GG! Wouh! Fin de l'infestation. GG, well played. Appuie les ergues, c'est fini.